Sénégal 1978, le départ de mon pays ressemble plus à ma fuite. J'ai entrevu la réussite et son manteau tricolore, pris refuge auprès de l'ex-colonisateur. Homme de couleur qui un jour quitta l'Afrique, quitta l'hémisphère sud et le cancer des tropiques, en direction des cités d'or, mis le cap sur le nord. Sans ma famille, mais l'issue de son sort. Paris, la capitale française, j'atterris sur la plus belle ville du monde entre deux chaises. Entre les boulots et l'entassement des foyers, entre l'argent familial et le règlement du loyer. Si mes calculs restent bons jusqu'en août, j'arriverai à m'en sortir, mais en marchant sur une poutre. Bientôt, j'aurai de quoi les faire venir, mon épouse, mon fils et ma fille pour changer d'avenir. Plus d'un millier de journées ont passé, je retrouve le visage de ma famille soulagée. Après leur vol avec escale sur le territoire d'Espagne, le temps d'un contrôle, de réparer les pannes. En panne de cœur, en mal du pays, mon fils et ma fille pleurent leurs amis chaque soir dans leur lit. Dans quelques mètres carrés fermés de contreplaqué, pour que le froid hivernal se trouve contrecarré. Ménagère dans les hôtels et mon épouse, la peinture en bâtiment sera ma seconde épouse. Avant qu'elle me foute à la porte un joli soir de printemps et qu'elle me dise débrouille-toi maintenant. Entre temps quelques nouvelles frimousses apparaissent. Un deuxième fils, une deuxième fille, une double caresse. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, je me retrouve sans un toit avec mes valises sur le sol. France, terre d'accueil, loin de mon village, je ressens la ségrégation dans les plis de leur visage. Apparemment les droits de l'homme ne marchent pas pour les hommes noirs, ne marche pas pour les femmes noires. Mais l'exception de la règle un jour descendit de son bus. Sur son t-shirt était écrit Emmaüs. Appartement provisoire trouvé par les gens du livre. Vincent Auriol, c'est le nom qui nous délivre. Un boulevard du 13e arrondissement de Paris. Provisoirement j'y habitais, en plus le quartier est paisible. La charpente a l'air solide mais le bois est sec. Un incendie n'en fait qu'une bouchée de pain sec. Sans attendre j'emménage avec ma femme de ménage, avec mes problèmes d'argent et mes enfants en bas âge. J'envisage de rester peu de temps ici, alors j'entreprends les démarches à la mairie de Paris. Simple précaution, j'épluche les annonces, mais derrière chaque demande se cache la même réponse. On vous rappellera, la porte est déjà louée. Si parfois j'avais d'avance de quoi payer trois loyers. 15 ans pour comprendre le système, 15 ans de lettres mortes envoyées au ministère. Trop étroit est devenu ce double effroi sans les trous, car les petits se sont fait mordre par les rats. Insalubrité au rendez-vous des crasseux, suffisant pour mon espèce, pour les gens de ma race. Voici la France des odeurs qui ressurgit, le tas de poussière qu'on a glissé sous un tapis. Dernière couche de peinture au plomb, c'est là leur socialisme. Mais ce sont nos enfants qui souffrent de saturnisme. Et je repense à ma venue de Dakar, le rêve européen s'est transformé en cauchemar. Mais depuis quelques semaines, elle craque. Son fils de 6 ans aurait été mordu par un rat en pleine nuit. Il était monté ici, après elle est venue par ici. Après, il a sauté ici, après maman. Mais aujourd'hui, les habitants craignent pour leur sécurité et redoutent un incendie. Voici l'heure d'un repos bien mérité. Après une dure journée de labeur, je m'assois devant la télé. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous devriez déjà être au coucher, n'avez-vous pas vu l'heure? Je me dirige vers la porte qui mène à l'autre appartement, qui sert de salle de jeu et de chambre pour enfants. Une fumée noire qui s'infiltre sous la porte, un hurlement de femme qu'a-t-elle à crier de la sorte? Ce sont des flammes grandes comme les montagnes, qui embrassent le corridor, les escaliers avec cargne. Un monstre de feu qui avale tout sur son passage, qui détruit les fondations, étage par étage. C'est une boîte d'allumettes enflammée de 6 étages, une prison de feu qui entreprend son carnage. Aucune issue, et ce depuis des années, aucun extincteur ni détecteur de fumée. Et soudain je me souviens la raison pour laquelle je me suis levé du fauteuil pour les enfants et leur querelle. Désormais séparé par l'incendie, je cherche le regard d'un de mes fils, d'une de mes filles. Ne bougez pas, j'appelle les combattants du feu, car papa n'est pas assez fort pour sauter dans le feu. Sauter dans le brasier d'un immeuble insalubre, autant fermer les yeux et prier fort pour son salut. 10 minutes se sont passées, aucune sirène, aucune aide. Les entrées sont scellées, dirigez-vous vers les fenêtres à plat ventre. Comme les cafards, nos colocataires, la position est bien connue, face contre terre. En une fraction de seconde, c'est ma vie qui s'enfuit lorsque le plafond s'écroule sur les dos de ma famille. Voici mon cercueil, ma cité provisoire. Vincent Auriol, c'est le nom de son boulevard. Personnes sacrifiées, 14 enfants ont péri sur le bûcher. Bien souvent l'atrocité de la mort fait bouger les choses, car désormais ils seront logés sous les roses. Dernière insulte par le chef commissaire, tous ces noirs sont-ils en situation régulière? Voici le prix du sang d'une ancienne colonie, voici le respect attribué aux familles.